Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là ça ne va pas du tout. Il me reste 10 minutes pour m'habiller et là je m'apprête à faire un fashion faux pas que je déteste. Je vous explique, donc là du coup j'ai ma ceinture noire mais je dois mettre ma ceinture bleu marine parce que je mets encore mon carcour parce qu'aujourd'hui on saute et là je n'ai pas ma ceinture bleu marine. Là clairement c'est le pire fashion faux pas du monde, je déteste. Donc on va voir au niveau de mon papa. Il peut pas me prêter une petite ceinture, mais je crois qu'il n'en a plus. Oh my god, on a la ceinture, on a la ceinture. Ok, donc on va passer de ça horrible, horrible, à ça magnifique. Ok, parfait, tout ça a été changé, parfait. Le matin, il faut que je mette mon polo, il faut que je fasse mon sac, que je prenne des carottes en 10 minutes. Voilà, tout va bien, voilà, bienvenue dans mes vlogs. Tac. Hop, on va prendre les carottes, genre les bouts qui sont pas beaux. Voilà, là la petite carotte, ça on va pas s'en servir. Oula, j'ai une carotte dans l'ongle, super. Les carottes qui sont ici, ça ira très très bien. Tac, parfait. Ok, alors l'avantage de garder le même outfit deux semaines d'affilée, c'est que voilà, même quand t'es en retard, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là j'ai glissé les petites carottes ici. Parfait, j'ai mon tapis, j'ai ma bombe, j'ai tout. C'est génial, j'ai pris un gros manteau parce que franchement il pleut. Enfin vraiment le temps est horrible, mais du coup je suis contente parce qu'on va aller dans le manège. Et j'aime trop monter dans le manège, en plus on va faire des trop belles décorations de Noël. Genre j'ai vu dans les filles qui ont des DP et tout, il y a des sapins, des tout, bref c'est trop beau. Là du coup je vais mettre mes bottes, je parle pas fort parce qu'il y a plein de monde à côté. Voilà, donc là du coup je vais mettre mes bottes et normalement vous allez avoir des images parce qu'en fait on peut se filmer. Donc là Valentine pendant que je passe, parce qu'on va faire saut, je vais pas vous filmer la détente. Mais ensuite, les sauts, etc. Vous aurez des petites images. Ok, gros manteau mis, botte mis. J'ai l'impression d'être dans le vlog de la semaine dernière parce que j'ai exactement le même outfit. Mais c'est pas grave. Là, j'ai bien chaud. Je suis trop bien. Je vais me cailler les meules quand même. Mais bon, hop, on va rester positif. Et j'en ai marre de ces sacs lourds. C'est une horreur. Parce que je vais prendre le même sac, mais vous savez, sous forme de valise parce que ça, vraiment, c'est révolutionnaire. Et j'arrêterai de me péter le bras à chaque fois. Là, j'ai fait mon sapin de Noël. Voilà. Ça intéresse personne, mais moi je le trouve incroyable. Il touche le plafond. Je le trouve magnifique. Mon bibi. Mon bibi. Oh là là, mais c'est le déluge. Oh, quelle horreur. Tac, on va mettre le sac là. Là, c'est le sac de Valentine. Et c'est parfait. Nous sommes observés ce soir. Je monte cette petite chose. Arrête, Valentine. Elle a trop le seum parce que mon tampon n'est pas bien. Arrête! Cette petite chose beaucoup trop mignonne ce soir en saut. Tu sais, la fille. Regardez-moi, attends, pousse-toi de mon plan. Regardez-moi ce ciel, beaucoup trop beau. Ça va mon titi, je vais prendre un licol et je vais te chercher. On voit rien que le contre-jour. Ça va mon indigo d'amour? Voilà, tu me décapsules pas, titi, ce soir en saut, je te fais confiance. Hop, je vais directement prendre son. Oh là, mais son petit licol, il est trempé. Je pense qu'on allait chercher auprès et son petit filet et son petit, sa petite selle. Et voilà. Hugo, ça va mon gros gros de l'amour? Ça va mon gros gros de l'amour? Oh là là, ma beauté. Oh, il est criant. Oh là là. Non, attends, arrête. Arrête d'attaquer Pin-Up, t'es chiant. Hugo, arrête. Ne commence pas avec cette pouliche. Qui n'est donc pas du tout une pouliche parce qu'elle est vieille comme la pluie. Ah, mon chaton. On y va. Allez, bisous. Regardez-moi ce petit poulet. Oh là là. Je veux pas toi, je. Bah, elle avance bien, quoi. J'ai le choix entre. Ah oui, bah, je pense que le choix est quand même vite fait. Mais en fait, t'es pas très sale. Un petit peu. Non, à peine. Avec le poney autour du râtelier. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, poney? Ah. Coucou, Ep. Ça va? Je te passe la Magic Brush, mais c'est vraiment pour faire genre parce que t'es pas très sale. Oh, mais. Hop. C'est gentil Titi, hein. J'ai confiance en toi. Il t'a foutu un coup dans l'œil. Ça va mon poney? Oh t'es beau. T'es
c'est beau. Hop. C'est vraiment pas sale. Vous faites quoi, les gars? Ah. Oh, ce qui chote. La drama queen. Non, mais je crois que c'est pas une bonne idée aussi. Et là, il commence à faire les talons. Oui, il fait du temps. Non, et toi, tu fais pas le dragueur, là. Recule. Oui, elle est chiante. Il faut la bouger parce que... Qu'est-ce qui se passe, mon poney? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on continue le pensage. Non, mais ça, on t'entend pas. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Oui, c'est vrai. Non. Toi, t'es un. Oui, nous, on est pas des trucs cachés. T'es un petit curieux. T'as l'école tout dégueu, par contre. Weno, calme-toi, parce que, hein. Chico, Titi, Titi, eh. Mais tu. Ouais, il est trop bien, mon poney en soi. Moi, c'était la deuxième fois que je suis. Ah ouais? Bah, moi, c'est beaucoup mieux quand j'étais petite. Oh, mais. Insupportable, les chevaux ce soir. Putain, ils sont tous excités de la vie. Weno, arrête de gratter. Ils sont tous excités de la vie. Par contre, toi, toi, t'es un petit élève modèle. Hein, t'es tout mignon. Mais fais pas genre, t'es tout mignon là au pensage. Après, pour la séance, t'es exécrable. Hein. Parce que ça. Ça, c'est un peu. La spécialité de Titi, quoi. Enfin, les petits crins, ah bah ils sont déjà tout démêlés presque. Hop. On est de côté. J'adore sa crinière. Petit toupet. Hop. Impeccable. Attends, j'ai une petite carotte. Tac. C'est bien. T'es omnibulé par la bouffe. Titi, c'est, ça fait 4 fois que je te montre ta main. Ma main. Notre main. Hop, on reprend le gâtre. Le mari, mais ça va être beaucoup trop grand pour toi, Titi. Non mais. Ça va être trop grand pour toi, toi, ton petit tendon, il fait pas cette taille. Bon, écoute, tu sais quoi. Enfin, Titi, on va tester les gâtres pour ta taille. Honnêtement, j'ai un petit doute. Après, tu ne t'entends rien à rien. Ouais, c'est vraiment trop grand. Bah, je sais pas, c'est trop. Je crois que c'est trop bon. En plus, il fait mal à l'envers. Attends. Non, ça va, c'est cool. Ça va. J'ai trouvé où? Mais je sais pas, c'était celle de la semaine dernière. Non, oh, c'est un peu grand. C'est hyper grand. Ça va plus se gêner, je pense. Ok, donc en fait, mission, trouver des autres guêtres. Elles sont beaucoup trop grandes. Des trucs de poney. Parce que Titi, c'est un petit poney. Mais ça va être trop grand aussi. Hein. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ah! Ça, c'est un peu plus ta taille. Mais alors, il n'y a pas la deuxième. Donc, je ne sais pas. On va prendre ça. On va essayer. Même s'il y a des cas, c'est pas grave. Ok, on réitère l'expérience avec d'autres, mais je crois que on va devoir abandonner pour le guêtre. Ça va pas trop grand, ça, hein, t'as loué. Voilà. Oui, mais Ah ouais, ça, c'est encore plus grand. C'est plus grand, putain. Bon bah on va abandonner sur les guêtres. C'est pas grave. C'est pas grave, petit chat. C'est pas grave, trop petit. Trouver un trop grand. Et...
Bon, on va céder de ce côté. Je sais qu'on fait pas de ce côté. Bon, écoutez. On va faire temps en temps. Voilà. On voit rien, Titi. Attends. Bien collé. Merci. On voit rien. On ne voit rien. Ah ouais, je sais pas si c'est une maison, mais quelle crème. Ça, je sais pas. Quand ici. Oh, mon amortisseur, il est trop gros pour sa mini-selle. Oh, c'est hyper beau. Regardez, mon amortisseur, il est trop grand pour sa mini-selle. Ah non, c'est ridicule. Attends. Je sais pas, c'est absolument ridicule. Voilà. C'est bien, poney. Mais attends, est-ce que je dois te faire une 13? Non, en vrai, t'as pas un toupet si grand. Oh putain, mon bonnet doit être trop grand aussi pour toi parce que t'as des mini oreilles. Voilà, j'ai enlevé mon amortisseur parce que bah, il était trop grand. Pas grave. Bon, voilà, on est prêt. J'ai pas mis le bonnet parce qu'il aime pas du tout ça. Donc, en fait, ça sert à rien que je mette mon look par contre, mais c'est pas grave, je peux même pas mettre les guêtres. Parce que monsieur, c'est un minimoise. Moi, il me manque plus que je mette ma bombe. Mais ouais, c'est vraiment un minimoise, du coup, rien ne lui va. Parce que moi, c'est des affaires. Double poney chevaux quoi. Donc voilà, on est prêt. Titi et Monsieur Tigolo, dis-nous de ouf. Tiens. Hop. Et là, j'ai encore des carottes. Attends, parce que t'as une petite bouche. Voilà. Je déteste ma position. Et parce qu'en fait, je me jette, c'est horrible. J'ai les épaules. Oh, je déteste ma position. En fait, genre, je me jette en avant. Arrête. C'est du bon sable de bonne qualité. Titi, arrête de quémanter des carottes. Mince. Tu peux arrêter, monsieur Carottman. Arrête. C'est un téléphone, ce n'est pas des carottes sur place. Oh, il est pas gentil. Oh, il est pas content. Pas content, le pire. Et toi, petite chose, veux-tu bien que je te brosse? Je crois que c'est pas trop dans tes projets, mais bon. C'est un peu gros pour toi. Oh, mais t'es vraiment un estomac sur pâte, jamais vu ça de me dire. Upstairs. Oui. Comment? Merci bien. Oui. Hop, tu me donnes ton petit pied. T'es sur ma cravache là, Titi. C'est dingue. Upstairs. T'es vraiment, mais. Tu me donnes ça? Oui. Attendez, on va pas juste passer un petit coup de. On retourne. On retourne dans la stabulation. Espèce de petit diable. Et on a les copains qui nous attendent. Ah, attendez. Bédo, Crumble, tu t'en vas. Allez. Crumble. Pardon, excuse-moi, Titi. Excuse-moi, attends, c'est un peu... Eh. C'est la merde à une main.
mais je vais y arriver. Attends. Ah, j'arrive pas à une main. Tac, et ça, c'est chiant parce qu'il faut la soulever. Voilà. Et Titi le chef fait son gagne. Bon, du coup, là, j'en profite qu'il y ait de la lumière, etc. pour vous faire un petit débrief de la séance. Franchement, c'était une séance vraiment entre le bon et le moins bon. Franchement, la détente, il a été... Coucou, toi. La détente, franchement, il a été horrible. J'ai jamais eu comme ça. Il était... Il répondait pas à la jambe, mais par contre, dès que je faisais un mini claquement de langue, il partait comme si il y avait un feu d'artifice. Franchement, la détente, il a été horrible. Ouais, c'est de toi que je parle. Toi, t'as été horrible à la détente. Voilà, on a commencé à sauter par ici. C'était horrible. J'arrivais pas à faire des abords au galop parce qu'il partait à pleine balle et il était inarrêtable. Après les sous, je n'en marque même pas. Il faisait des toupies tout seul. Enfin, bref, c'était horrible. Par contre, quand on a commencé à bien monter les barres, là, il a été beaucoup plus concentré. Je pense qu'il s'est mis un peu plus dedans. Je pense qu'en fait, enfin, au début, il sautait clairement de ma gueule, hein, parce que il mettait pas, enfin, il avançait pas quand je lui demandais d'avancer. Par contre, quand je lui demandais de rester au pas, là, il partait comme un teuteux. Donc après, ça, c'est rigolo, mais voilà, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les chevaux comme ça, parce que je déteste ne pas avoir le contrôle. Donc là, quand les chevaux, ils prennent ta main et que tu peux plus rien faire, ça joue. J'ai horreur de ça. Donc voilà, mais c'est aussi, je pense, les poneys qui font le plus apprendre en moins de temps, parce que voilà, rigolo, vraiment, enfin, le moindre détail que t'as pas, c'est vraiment la fin d'haricot. Donc voilà, donc je suis quand même contente parce que franchement les sauts ils étaient top, vous avez vu des images, alors je déteste ma position. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'améliore, mais en fait je me jette trop en avant. Voilà, en plus genre en fait il est petit et les sauts ils étaient pas mal, il y avait 80-85 et donc du coup en fait moi je me prends soit des georgettes soit des taxis parce qu'en fait je vois pas mes distances avec un si petit poney. En fait on me l'a mis un peu pour le dégazer, pas pour juste une séance normale, on me l'a mis surtout pour le dégazer un petit peu. Mais voilà. Donc voilà, donc séance vraiment mitigée. De toute façon, vous savez, moi je vous montre toujours le bon mais aussi le moins bon. Et je trouve que cette séance résume un petit peu les deux. Donc voilà, c'est quand même intéressant de vous montrer ça. Mais vraiment, là, ma position en saut, là, je déteste. Donc je ne veux pas de commentaires parce que soit je me prends des georgettes, soit des taxis. Voilà. Donc voilà tout le monde, la vidéo du matin est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Là, du coup nous sommes le lendemain et comme d'habitude j'étais en train de faire le montage quand je n'ai pas vu que je n'avais clôturé cette vidéo. Du coup je vous ai déjà fait un petit débrief d'après séance, mais du coup bah comme je vous ai dit c'était une séance assez mitigée. En fait comme je vous l'ai expliqué, en fait j'avais beaucoup beaucoup de mal avec mes distances. Là je sais pas ce que j'avais, mais en fait comme il est très petit et que moi je suis grande et que les sauts ils étaient pas mal, en fait j'étais vachement sur la retenue parce que vraiment je voyais aucune distance, je voyais aucune foulée, je voyais rien, mais lui il la voyait, donc en fait je savais pas du tout. Donc au début j'ai pas filmé à ce moment là mais au début je me suis pris des georgettes de l'espace parce qu'en fait moi je voyais une distance impossible pour lui mais que lui voyait celle d'après, enfin bref c'était un bordel sans nom. Voilà, mais je suis quand même contente de cette séance. Voilà, franchement c'était une bonne séance quand même. Après Tigolo il est comme ça, il est compliqué, en hiver il est très 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 punchy. Voilà, comme je vous l'ai dit dans déjà mon petit débrief, on me l'a pas mis pour vraiment faire une séance entre guillemets lambda, on me l'a surtout mis voilà pour le dégazer et pour le remettre un petit peu dans le droit chemin parce qu'en fait il fait ça maintenant au petit, c'est à dire qu'en fait il va à pleine balle devant l'obstacle et d'un coup hop il fait une dérobade et moi il me l'a fait deux fois sur les premiers obstacles, je vous dis je l'ai secoué, après il a plus rien dit, mais du coup c'est pour ça aussi qu'on me l'a mis, c'est pour un peu voilà lui faire comprendre qu'en fait non c'est pas lui qui fait comme il veut mais le cavalier qui décide. Bref, donc voilà, mais de toute façon voilà je savais très bien que ça allait se passer comme ça parce qu'il était surexcité, mais bon c'est pas grave. Voilà, ça existe encore les séances mitigées, mais bon voilà je suis quand même contente globalement. Quant à moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.